Bonjour à tous. Ce soir, je vais vous présenter quelques options avancées pour la partie Windows Virtual Desktop. Bon, avant de commencer, j'aimerais vous préciser que j'essaye un nouveau setup pour les présentations. Donc, pour le moment, la caméra n'est pas terrible parce que j'utilise celle de mon Mac. Mais j'aimerais rendre ces événements un peu plus interactifs, notamment en filmant un petit peu les différentes personnes qui vont intervenir durant les événements. Et enfin, pour faire un petit peu pour montrer qu'on est là et que ça soit un peu plus, on va dire, humain que simplement montrer la capture de l'écran. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez des feedbacks à donner suite à ce nouveau fonctionnement, on va dire, de ces meet-ups, je suis tout ouïe et je suis prêt à améliorer tous les meet-ups si possible pour que ce soit plus agréable pour vous malgré la distance sociale qu'il y a actuellement avec le coronavirus et choses comme ça. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter, comme d'habitude, sans slide, des options avancées pour la partie Windows Virtual Desktop. Donc, essentiellement, donc, on va voir la partie MFA, comment on actionne l'authentification multifacteur. On va voir les différentes interfaces graphiques qui s'offrent à nous pour l'administration de la solution. On va voir comment automatiser certaines tâches, comme arrêter des serveurs quand il y a peu d'utilisation, redémarrer des serveurs quand il y a beaucoup plus d'utilisation, comment automatiser l'arrêt des serveurs, et puis on va voir comment générer une image à master à un master pour l'infrastructure de Windows Virtual Desktop. Donc, je vais vous partager mon écran. Je vais vous partager mon écran maintenant que normalement vous devriez voir le portail Microsoft Azure. Je vais zoomer un petit peu plus pour que ça soit lisible pour tout le monde. Donc, bon, ici le portail traditionnel de Microsoft Azure. Pour faire un rappel de ce qu'on a fait précédemment dans un autre meet-up, notamment le déploiement d'une ferme Windows Virtual Desktop, en gros, j'ai un ressource group. Et à l'intérieur, je vais dézoomer un peu quand même, parce que c'est un peu lisible pour moi. À l'intérieur, j'ai déployé plusieurs machines, enfin une ferme Windows Virtual Desktop en fait, qui est composée donc d'un serveur VDI et qui sera composée aussi de deux serveurs Imota pour publier des applications. Donc en gros pour l'utilisateur, donc là je suis sur un Mac, mais ce sera pareil pour un PC. L'utilisateur va avoir accès à un workspace qui est là. Donc, ce workspace en fait affiche donc les applications qui sont publiées. S'il y a des machines en VDI, ben, affiche les applications en VDI et ça permet donc d'avoir des applications publiées directement sur le poste de travail de l'utilisateur. Et toute cette infrastructure-là, pardon, est hébergée directement dans Microsoft Azure en mode plateforme as a service. C'est-à-dire que vous gérez juste le endpoint, donc là où sont installées les applications ou le poste de travail de l'utilisateur, mais vous ne gérez plus la partie broker, la partie licence, la partie access, la partie gateway, les différents load balancers qui sont liés à tout ça. Donc voilà ce qui a été déployé actuellement. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une configuration un peu plus avancée et voir un peu comment on peut gérer cette ferme-là vraiment pour de la production. Donc, on va commencer par la partie MFA. Donc, pour faire du MFA, on va s'appuyer sur des accès conditionnels qui sont présents dans l'Azure Active Directory. Et donc, on va se diriger vers l'Azure Active Directory pour paramétrer ce MFA. Donc, je me dirige ici dans le portail Azure. Je vais dans la partie sécurité. Et ici, on a la partie accès conditionnel. Et donc là, bon, je l'avais déjà créé pour faire cette présentation. Mais en gros, ici, vous faites nouvelle policy et on va voir ce que j'ai configuré comme politique. Donc, en gros, vous spécifiez un nom pour la politique. Vous spécifiez donc des utilisateurs qui vont être obligés d'avoir le MFA pour s'authentifier sur la solution. Donc, généralement, on va plutôt mettre le groupe. On va mettre le groupe qui est autorisé à se connecter à Windows Virtual Desktop. Donc, ce que je préconise, c'est de créer un groupe Active Directory, notamment si vous êtes en hybride, de mettre les utilisateurs qui vont avoir accès à Windows Virtual Desktop à l'intérieur, et ça sera plus facile par la suite pour appliquer des règles de sécurité comme ici. Donc, du coup,
Je spécifie donc mon groupe. Bon, là, j'ai mis un utilisateur à côté, mais c'est pareil. Ensuite, je spécifie l'application où je vais appliquer le MFA. Donc ici, j'ai sélectionné Windows Virtual Desktop Client. Windows Virtual Desktop Client qui doit apparaître dans la liste, voilà ici. Et dedans, j'ai sélectionné donc Windows Virtual Desktop et Windows Virtual Desktop Client. Ensuite, bon, les conditions, je les laisse, parce que pour le moment, je n'ai pas envie de configurer des plateformes. Mais si vous utilisez Intune, par exemple, vous pouvez demander que le poste soit compliant pour pouvoir se connecter à Windows Virtual Desktop. Donc ça, c'est pas mal en termes de sécurité, puisque si le poste, par exemple, n'a pas les bonnes versions d'antivirus ou, je ne sais pas, autre chose, ou le pare-feu désactivé, enfin, peu importe, il ne sera pas autorisé à se connecter à Windows Virtual Desktop. Par exemple, si le poste n'est pas intégré dans Azure AD, il peut ne pas être autorisé à se connecter à Windows Virtual Desktop. Et ça permet donc du coup de filtrer davantage la connexion à la plateforme Windows Virtual Desktop. Ensuite, vous autorisez l'accès si la personne fait du MFA. Donc vous cochez cette case. Vous pouvez obliger donc les machines à être intégrées à Azure AD. Vous avez d'autres règles, si vous le souhaitez, ben voilà, faut que le poste soit compliant, par exemple, donc c'est ici que vous le cochez. Si vous êtes déjà en production et que vous l'activez le MFA et que vous voulez voir avant quel va être le comportement, vous pouvez activer la politique en report only ici. Donc ça ne va pas bloquer l'utilisateur, il ne va pas être obligé de faire du MFA, mais par contre ça va vous indiquer si les utilisateurs ont le MFA ou pas activé, et du coup ben, ça va vous faire un rapport un peu de cette politique-là, combien d'utilisateurs rentrent dans cette politique, combien ne rentrent pas dans cette politique, etc. Si vous voulez l'activer, ben vous faites on ici, et donc du coup, ben, vous activez le MFA sur la ferme Windows Virtual Desktop. Donc comment ça se comporte? On aura à peu près le même fonctionnement sur un poste Windows, hein, c'est juste les fenêtres qui changent, mais je vous montre sur mon Mac comment ça se passe. Donc je vais dans mon workspace ici, je lance par exemple le VDI. Donc je vais saisir, d'abord j'ai spécifié mon login mot de passe à la connexion, enfin, lorsque j'ai voulu me connecter au flux qui me redescend les applications qui sont publiées. Donc là, ici, il me redemande juste maintenant un mot de passe, enfin un code, qui sera sur mon application Windows Authenticator sur mon smartphone iPhone, et qui va en gros me donner un mot de passe temporaire, donc un token. Je spécifie ce token, donc ici actuellement c'est 714.0.50. Et donc ça c'est le MFA qui me demande une double authentification pour arriver sur la ressource. Donc je fais verify, et donc là bah, j'ouvre ma connexion vers la machine VDI qui est dans Windows Virtual Desktop. Là il me redemande le mot de passe. Et donc là, je suis bien connecté en VDI sur ma ferme Windows Virtual Desktop. Donc là, on a vu, j'ai activé le MFA et mon utilisateur a été obligé de saisir un token qui provient d'une seconde source d'authentification, donc SMS, coup de téléphone, l'application Windows Authenticator. Donc on voit bien que là, on a eu une double authentification pour se connecter sur les ressources. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est recommandé si vous souhaitez élever le niveau de sécurité de votre infrastructure, notamment Windows Virtual Desktop. C'est assez simple à mettre en œuvre. Si jamais vous n'avez pas d'Azure AD Premium, vous n'avez pas accès au MFA, généralement, quand on fait du Windows Virtual Desktop, on rentre dans un abonnement Microsoft 365, parce que de cette façon-là, on a les licences pour Windows Virtual Desktop, et dans Microsoft 365, on a accès à Azure AD Premium qui permet en fait d'avoir accès au MFA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vérifie en même temps s'il y a des questions pour y répondre. On va passer à la deuxième partie, la partie interface graphique. Donc là, malheureusement, ce n'est pas le point fort de la solution. L'interface de gestion de Windows Virtual Desktop. On a plusieurs panneaux d'administration, certains qui sont développés par des MVP, d'autres qui sont développés par Microsoft, mais qui ne sont pas géniaux, plutôt.
Il faut savoir qu'actuellement, Microsoft travaille sur un portail qui est en preview. Il devrait bientôt passer en public preview. Ce portail-là sera directement intégré dans le portail Microsoft Azure et permettra enfin d'avoir une belle interface pour administrer la solution. En attendant, je vais vous montrer en gros les deux interfaces qui se démarquent. La première, celle qui est fournie par Microsoft, qui est disponible sur ce GitHub. Donc, si vous tapez simplement dans Google interface graphique Windows Virtual Desktop, vous devriez tomber sur celle-ci. Donc, Microsoft fournit cette interface qui est déployable en cliquant simplement sur le bouton Deploy to Azure parce que c'est un template derrière, c'est un template ARM. Et lorsque vous avez fini de déployer ce service-là, ce qui se passe, c'est que ça va déployer des web services. Donc, du coup, bah, ça va rajouter un peu de services à la facture, ce qui est un peu dommage. Donc vous avez trois services qui sont créés ici et donc ça va permettre donc d'administrer la solution. Donc notamment ici, vous avez le lien vers le panneau d'administration qui est là. Donc je me suis connecté dessus sur cette interface-là. Donc voilà à quoi ressemble l'interface qui est fournie par Microsoft. Donc je vais zoomer un peu. Donc qu'est-ce que permet de faire cette interface? Ben, de voir déjà les différentes les différents hosts, les différents services que vous avez déployés dans Windows Virtual Desktop. Donc, par exemple, moi ici, j'ai déployé un host pool Remote App. Notamment, ce host pool va être dédié pour publier des applications. Vous pouvez afficher les nœuds qui font partie de ce host pool. Donc, vous pouvez les supprimer, les mettre en mode maintenance. Par contre, je trouve que c'est pas aisé pour rajouter un nœud depuis une image. Ça veut dire que vous, il va falloir que vous déployiez une nouvelle VM dans Azure, à partir d'une image ou non, et de l'intégrer par la suite, par l'intermédiaire d'une clé, dans le host group. Donc, cette interface-là n'est pas pratique pour gérer l'ajout de nœuds dans des host pools. Par contre, elle est pratique pour ajouter des applications dans le host pool. Donc, ici, j'ai créé deux groupes d'applications. C'est pour faire des tests, hein. On peut tout mettre dans le même groupe d'applications. J'en ai créé un pour les navigateurs et un que j'ai appelé production. Vous voyez, par exemple, si vous voulez publier des applications, bah, il suffit de cliquer sur Apps ici. Et vous faites publier une application qui appartient au Start menu de la machine Windows Virtual Desktop. Donc ici, il va me lister toutes les applications qui sont installées. Donc il suffit de cliquer et faire Publish. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez gérer les droits d'accès. Donc actuellement, utilisateur, normalement, ça devrait venir la gestion des groupes d'ici peu, j'espère. Parce que là, c'est pas pratique en production pour gérer les droits au niveau utilisateur. Donc, normalement, ça devrait pas tarder. On devrait avoir la gestion au niveau des groupes. Et donc là, on pourra rajouter le groupe directement contenant tous les utilisateurs. Donc ici, ben, si vous voulez rajouter un utilisateur qui a le droit de se connecter, comme mon Jack Daniel ici, et ben, vous faites plus Add User ici. Vous spécifiez le nom de, enfin, l'adresse mail de l'utilisateur. Et donc, il sera autorisé à accéder à la ressource. Donc, l'interface est pratique pour ça, c'est pour rajouter des applications et pour gérer les droits utilisateurs. Pour moi, c'est l'interface qui est la plus pratique pour ces actions-là. Vous voyez, c'est facile de rajouter des app groups. Vous cliquez ici, vous spécifiez le nom de votre app group. Si vous avez un autre host group, vous pouvez spécifier que c'est un remote app, c'est-à-dire que ce sera une publication de bureau. Donc, tout ça peut être configuré ici au lieu de le faire en PowerShell, comme ce qui est précisé dans la documentation. Pour un host pool qui est VDI, c'est un peu différent. Notamment déjà, vous voyez qu'en termes de app group, ben, je suis en mode bureau. Et si je regarde la configuration du pool, je suis en mode persistant. Parce que c'est du VDI, ça veut dire que l'utilisateur se connectera toujours à la même machine. C'est son propre poste perso. Si c'était du bureau à distance, la session ne serait pas persistante, puisque le serveur partagerait plusieurs sessions utilisateurs. Donc voilà en gros ce qu'on peut faire avec cette interface. Donc bon, elle n'est pas GG, on va dire, mais bon, pour éviter le PowerShell, c'est quand même un bon début. Voilà. Autre interface que je trouve plus intéressante a été développée par un MVP qui s'appelle Marcel Meurer, qui travaille beaucoup sur la solution Windows Virtual Desktop. Donc vous trouverez son site ici sur blog.itprocloud.de. Vous tapez dans Google WVD GUI et vous devriez tomber sur lui en premier.
Et donc, ce monsieur a fabriqué une interface graphique qui s'installe, donc un client lourd, qui s'installe donc sur une machine pour administrer la solution. Et elle est plutôt pas mal parce qu'elle permet de gérer les images, notamment, et elle permet de gérer les applications qu'on a vues, elle permet de gérer pas mal de choses. La seule chose qu'elle ne permet pas de gérer, c'est les droits utilisateurs. Donc, c'est pour ça que je joue un petit peu avec les deux interfaces pour administrer la solution. La précédente pour les droits utilisateurs et la gestion de l'infra plutôt avec l'interface de Marcel Meurer. Donc sur ce site c'est très bien détaillé, c'est mis à jour régulièrement, il indique quelles sont les nouveautés, ça peut être vu ici, bon, il y a une démo du produit et il y a toute la documentation d'installation sur la page là. Donc là il y a le changelog, pardon, et là il y a toute la documentation plus bas pour le déploiement de la solution. Donc, bah, il faut créer un utilisateur qui a les permissions de gérer l'infra et après il faudra l'insérer dans l'interface graphique. Je vais vous montrer juste après l'interface graphique. Donc là, il y a toute la doc, il suffit de dérouler. Hein. Moi, j'ai déroulé tout bêtement. Je me suis juste fait avoir sur une chose, j'ai dû demander son aide parce que je n'avais pas intégré la machine image dans le domaine et je n'avais pas supprimé tous les profils de la machine et donc du coup ça plantait, mais à part ça, ça marche plutôt bien. D'ailleurs, il y a les comment dire, il y a les problèmes actuels de l'outil. Donc, il décrit en fait si jamais vous avez ce message d'erreur là, ça peut le régler de cette façon-là. Notamment, c'était ce problème-là que j'avais. Donc, j'ai pas eu la documentation. Bravo. Et donc, du coup, j'ai réglé ce problème-là en suivant cette partie-là, quoi. Donc l'outil est vraiment bien fait, il est très suivi, et pour moi c'est le meilleur outil pour la gestion de l'infra actuelle de Windows Virtual Desktop. Donc à quoi ça ressemble? Donc on va aller sur mon serveur. Donc voilà à quoi ressemble pardon, la solution. Donc ici, en gros, il faut spécifier le Tenant ID, Azure Tenant ID. Donc c'est lorsque vous créez votre compte en fait qui va avoir les autorisations de gérer l'affaire Windows Virtual Desktop, vous allez récupérer ces informations-là et vous allez lui générer une clé, une sorte de mot de passe en gros, mais plus long, qui va permettre en fait d'administrer l'infrastructure Azure et Windows Virtual Desktop. Ce que ça va demander en prérequis, par contre, c'est que le compte qui se cache derrière le service principal ID, il soit contributeur sur les ressources groupes où il y a les composants de Windows Virtual Desktop. Donc à quoi ça ressemble? Ici, il y a deux panneaux. Donc un qui s'appelle Serum IT, bah, en fait c'est le nom de mon tenant Windows Virtual Desktop. Et ici, il y a toute la partie Azure, plutôt l'affichage de l'infrastructure. On va le voir après comment j'ai fait, mais j'ai créé une image. Vous voyez, c'est un template en fait qui va me permettre de déployer des nouveaux serveurs Windows Virtual Desktop à la volée, sans devoir recréer une nouvelle VM et réinstaller des applications. Et cette façon-là, on est un peu plus industriel. Et ça sera un peu plus automatique. Donc, on verra après comment j'ai fait l'image, mais en tout cas, c'est possible de gérer les images depuis cet outil-là. Et c'est ça qui est vraiment intéressant sur cet outil-là. Alors, qu'est-ce que j'ai dans la partie Azure? On voit les machines virtuelles qui font partie de mon infra Windows Virtual Desktop. Donc, on voit Remote App 1, Remote App 2, VDI. Donc, ces deux serveurs-là, ces serveurs-là vont publier les applications. Et VDI, ben, c'est le serveur enfin, c'est la machine VDI de mon utilisateur. Donc, vous voyez déjà en faisant un clic droit sur le menu, on peut ben, démarrer la machine, la redémarrer, la supprimer, créer une image depuis cette machine-là si on le souhaite. On peut la désallouer, on va dire. On peut donc un peu gérer la machine d'ici. Ensuite, on a, ça on verra après, on a la partie ferme Windows Virtual Desktop. Donc, si je clique sur Remote App, par exemple, ici, on retrouve les App Groups qu'on a vu tout à l'heure, Browser et Production, et les applications que j'ai publiées. Donc, là, le bémol de l'outil, c'est pour la publication des applications, c'est moins facile. Vous allez voir, si je fais Add Remote Application ici, ben, il faut que je spécifie le nom de l'application. Ensuite, je tombe sur ce panneau-là. Il faut que je spécifie les chemins à la mano avec les icônes, etc. C'est beaucoup plus simple pour ajouter les applications sur l'interface graphique de Microsoft, l'interface web que je vous ai montré tout à l'heure, que par celle-ci. Donc c'est pour ça, je vous dis, je mixe un petit peu entre les deux interfaces. La partie
La partie publication d'applications et gestion des droits, je vais plutôt être sur l'interface de Microsoft. Et pour tout le reste, je vais plutôt être sur celle-ci. Mais en tout cas, on a une vue sur les applications qui sont publiées. Ensuite, on voit les machines qui font partie de ce host group, donc notamment RemoteApp et RemoteApp 2. On voit le nombre de sessions qui sont ouvertes en temps réel. On peut autoriser ou non d'ouvrir des nouvelles sessions. Si vous voulez le mettre en mode maintenance pour des mises à jour, par exemple, vous pouvez décocher la case. Et ça permettra aux utilisateurs de se connecter uniquement sur le premier serveur. Qu'est-ce qu'on a comme autre option sur ces machines? Bah pareil, on peut démarrer le nœud, le redémarrer, le désallouer, le supprimer. On peut déconnecter tous les utilisateurs. On peut envoyer un message aux utilisateurs dans la machine. Voilà, donc on peut faire ce qu'on faisait un petit peu avant sur une ferme RDS, un peu simplement depuis ici, que par rapport aux interfaces qui sont fournies par Microsoft. Pour la partie VDI, bah, c'est à peu près la même chose. Vous allez voir, bah, il y a juste un groupe avec session persistante, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est là qu'on va le voir, peut-être. Voilà, ici, vous voyez, donc le bain de sortie persistant ou non persistant. C'est ce qui permet de faire les sessions persistantes. Si vous voulez créer un nouveau host group, par exemple pour des bureaux, vous pouvez le faire simplement ici. Vous faites Add host group partagé ici, host pool partagé, pardon. Et par la suite, vous pourrez déployer des serveurs depuis une image et rajouter le serveur directement dans le host pool. Donc c'est pratique parce que ça évite de tout faire en PowerShell. Parce que si vous n'avez pas cette interface-là pour faire ce travail-là, c'est soit vous redéployez un template ARM depuis le marketplace Microsoft, soit vous coltinez tout en PowerShell. Donc l'avantage là, c'est que vous pouvez tout faire en clic-clic. Qu'est-ce que j'ai de plus à montrer sur cette interface-là? Oui, quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est le VMScale7. Donc VMScale7, c'est ce qui permet de regrouper des machines et d'agrandir et de réduire le nombre de VM en fonction de l'utilisation. Donc, il est possible de gérer en fait ça depuis cette interface-là. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Enfin, je ne l'ai pas fait puisque j'utilise autre chose qu'on verra tout à l'heure pour le faire. Mais bon, je pense que j'essaierai de le mettre en œuvre un peu plus tard. Donc voilà en gros pour l'interface. Je fais un gros tour d'horizon. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on peut faire. Mais en gros, voilà, faut voir va falloir jongler entre deux interfaces actuellement pour gérer l'infrastructure. J'espère que la nouvelle interface qui va rentrer en public va permettre en public preview va te permettre de répondre à ça et de tout regrouper dans une seule interface. Alors, comment j'ai fait? Tout à l'heure, j'ai parlé d'image. Comment j'ai fait pour générer cette image-là? Alors, c'est presque bête. Je vais quand même vous montrer. Je suis allé dans le portail Azure. Ici, j'ai créé une nouvelle ressource, une nouvelle VM en Windows 10. Donc ici en Windows 10, il y a une version qui est pas mal pour Windows Virtual Desktop, c'est la version multisession. Alors, je suis sûr que je n'ai pas pris ici. Il y a la version Enterprise multisession. Donc cette version de Windows 10 permet d'ouvrir plusieurs sessions utilisateurs sur un seul Windows 10. L'avantage, c'est que ce n'est plus un serveur Windows, et donc du coup, il n'y a plus les problématiques pour installer les applications, il faut mettre le serveur en mode installation. Certaines fois, les applications ne sont pas compatibles avec Windows Server, et donc il faut faire un peu de tambouille. Là, l'avantage, c'est que c'est un Windows 10, et donc généralement, les applications sont développées pour Windows 10. Multisession pour qu'il y ait plusieurs utilisateurs qui se connectent à RDP simultanément, et cette version-là est uniquement disponible pour Windows Virtual Desktop. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déployé une nouvelle VM à partir de ça. Donc, j'ai fait créer. Donc, j'ai suivi les indications, hein, login, mot de passe, etc., taille de la VM. Et donc, à la fin, j'ai créé une VM que j'ai appelée, par exemple, ici, WVD Master. Cette machine WVD Master, je l'ai jointe au domaine. Et donc, ensuite, je l'ai customisée. Donc, par exemple, ben, notamment, j'ai installé Teams sur la machine. J'ai déployé Microsoft Edge en mode moteur Chromium. J'ai déployé la suite Office normalement dessus. Voilà. Et très important, j'ai déployé aussi FS Logic. Alors, pour rappel, FS Logic, c'est ce qui va permettre
d'externaliser les profils utilisateurs sur un compte de stockage Azure. Et donc, du coup, si on a X serveurs pour, par exemple, la publication d'applications ici, bah, l'utilisateur aura quand même un seul profil. Parce que vu que le profil sera sur un stockage qui est centralisé, chaque serveur va se connecter sur ce stockage centralisé pour récupérer le profil de l'utilisateur. Et pour faire ça, j'ai installé FSLogic et je l'ai configuré via la petite console qui est là. Donc dans FSLogic ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai spécifié le chemin à mon compte de stockage, donc le chemin SMB, qui est ici. Bon, j'ai choisi le type de volume VHDX. J'ai choisi un type d'allocation dynamique. Bah, pour éviter de faire une allocation statique, il faut imaginer une chose, c'est que si vous déployez une ferme Windows Virtual Desktop pour 1000 utilisateurs, par exemple, et que vous voulez 30 gigas par utilisateur, ça ne sert à rien d'allouer statiquement les 30 gigas d'un coup. Parce que si l'utilisateur ne l'occupe pas, vous allez payer plus cher votre facture de stockage. Donc c'est pour ça, moi, je préconise plutôt l'allocation dynamique pour les profils utilisateurs. Donc j'ai configuré cette partie-là. Cette petite console permet en fait de configurer les petites clés de registre qu'on a vues l'autre jour dans le meetup précédent sur Windows Virtual Desktop. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc si on va là, voilà. Donc HKLM Software FSLogix, et si on va dans, et j'ai perdu le chemin, c'est profil, pardon. Donc ici, vous voyez cette console derrière va paramétrer toutes ces clés de registre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait aussi qui est très important, c'est que j'ai enlevé tous les profils utilisateurs. Tous les profils utilisateurs qui étaient locaux à la machine, puisque j'ai joint la machine au domaine. Donc là, si je vais dans profil, vous voyez, il ne reste plus qu'un compte utilisateur du domaine. Donc j'ai fait ça notamment pour l'interface graphique que je vous ai montré avant. S'il reste des profils locaux, l'image va planter en fait. Ça ne va pas créer l'image et ça va rester bloqué. Donc c'est pour cette raison que j'ai été bloqué la dernière fois et donc il faut bien supprimer les profils ici. Voilà. Ensuite, il y a quelques clés de registre que je vais vous montrer à appliquer. Donc ça, c'est dans la documentation Microsoft. On va le voir ici. Ici. Donc Microsoft fournit plusieurs clés de registre. Ça, on s'en moque. Ça, on s'en moque. Donc notamment pour désactiver la mise à jour automatique des machines. Donc il y a des clés de registre à ajouter. Pour la gestion de la time zone aussi, si jamais. Faut ajouter cette clé de registre, désactiver Storage Sense pour éviter que de lui-même Windows 10 nettoie certains fichiers. Il y a des clés de registre aussi pour que ça fonctionne en 5K. Voilà. Pour que la résolution 5K fonctionne, notamment il va falloir rajouter ces clés de registre. Pour les problématiques des crash Watson aussi, il y a cette clé de registre. Et pour tout ce qui est télémétrie et feedback, vous pouvez lancer cette clé de registre qui permet de le désactiver ou de l'activer, c'est selon ce que vous souhaitez faire. Donc il y a pas mal de petites clés de registre à rajouter, donc je l'ai fait dans mon image pour la préparer. Si jamais vous avez des packs de langage à installer, donc il faut suivre la petite doc qui est ici pour installer des packs de langage sur Windows 10 Enterprise Multisession. Donc là, c'est bien indiqué comment il faut procéder pour installer les langages packs. Donc voilà ce que j'ai fait en gros. Bon, après, si vous avez d'autres applications à installer, il faut les installer. Si il y a d'autres paramètres à ajouter, autres paramètres spécifiques à votre société à ajouter, vous pouvez le faire directement depuis l'image. Et une fois que c'est fait, il suffit simplement après d'arrêter la VM ici. Donc il n'y a pas de sysprep à faire, hein, vous arrêtez simplement la VM, faites un shutdown. Donc là après vous attendez que dans le portail Azure la VM soit en statut off. Et une fois qu'elle est en statut off, vous pouvez aller dans l'interface graphique lourde que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, depuis ici, en fait,
Vous sélectionnez votre VM et là, vous pouvez faire créer une image template. Et en faisant ça, après, ben, vous spécifiez plusieurs choses. Donc, vous spécifiez ben, le nom de l'image, vous spécifiez ben, quelle est la machine source, quel est le ressource groupe destination. Et dans la configuration de cet outil-là, il faut mettre dans un partage sur une machine du domaine, il faut mettre deux, trois fichiers qui va permettre à automatiser la jointe, qui va permettre d'automatiser la jointure au domaine, l'installation de l'agent pour Windows Virtual Desktop, et ce qui va permettre aussi d'ajouter la machine directement dans le host pool. Donc ces scripts-là sont fournis dans la documentation de l'outil, sur la page que je vous ai montré tout à l'heure. Il suffit de le mettre en place et ces outils-là seront copiés dans la VM qui va être déployée. Donc c'est pour ça qu'il faut faut la montrer, comme ça. Donc ensuite, ça va générer l'image et donc vous allez vous retrouver avec l'image ici. Donc vous avez directement le template qui est là. Maintenant, comment je fais pour déployer des machines depuis ce template? Ben, je fais clic droit dessus et je peux faire Create a session host from image. Et donc là, on vous demande plusieurs informations. Quel est le nom de la VM? Donc les trois dièses, en fait, c'est pour les chiffres. Donc si je prends l'exemple de Remote App ici, vous voyez, ça fait 001 parce qu'après, il va incrémenter grâce aux trois dièses. Donc si je veux rajouter une machine là-dedans, ben, je fais Remote App, par exemple, tiret, tiret, pardon. Je remets tes dièses, tac. Voilà, remote app, tiret, dièse, dièse, dièse. Je choisis le nombre de nœuds que je veux rajouter via ce template. Je choisis l'image. Je choisis le host pool. Donc, on a dit remote app, par exemple, ici. Je choisis le subnet réseau. Donc, ici, je déploie toutes mes machines dans un subnet qui s'appelle WVD. Donc, c'est le subnet réseau d'un virtual network d'Azure. C'est pour interconnecter la machine sur un virtual network Azure. Je choisis le ressource groupe. Donc là, vous choisissez un ressource groupe. Petite recommandation de bonne pratique. Je vous recommande ici de séparer en fait les host pools dans différents ressources groupes, notamment pour la gestion des tags et pour la gestion d'automatisation et la gestion des permissions. Donc si par exemple, vous prévoyez de faire un host pool remote app, un host pool VDI, un host pool bureau à distance, je vous conseille de créer trois host pools pour isoler, trois ressources groupes pour les isoler. Plus un autre host group qui va s'appeler WVD Admin pour mettre les interfaces de management, pour mettre les templates, les choses comme ça. Donc moi je vais le déployer ici. Je choisis un availability set, notamment pour assurer la haute disponibilité de toutes ces machines remote app qui vont être déployées. Je choisis la taille de ma VM. Donc, je vais prendre par exemple, allez, qu'est-ce que je vais mettre? DS3, elles sont DS3, D3. Je les ai vues passer, me semble-t-il. Là. Bon, on va mettre ça en attendant. D2V3, D2SV3, par exemple. Alors ensuite, il faut spécifier un compte qui a les permissions de joindre les machines à l'Active Directory, parce que même si c'est une solution qui est en mode passe dans Azure, les machines donc qui vont publier les applications ou les bureaux vont être jointes à l'Active Directory. Donc, comment ça se comporte? Vous allez le voir ici dans mon AD. Les machines, donc par exemple Remote App 001 et 02 et la machine VDI, ont un compte machine dans l'Active Directory. Et ce que je vais spécifier dans mon outil, c'est que les machines qui vont joindre le domaine vont rejoindre directement cette OU. Pourquoi? Parce que ici, j'ai créé un compte qui s'appelle SAWDJoin et j'ai autorisé ce compte-là à créer des comptes ordinateurs dans cette OU-là. Donc ça permet de filtrer un petit peu les permissions. Donc on le voit ici, SAWDJoin a le droit de créer des comptes ordinateurs. Donc ce que je fais, c'est que dans mon interface ici, je spécifie donc SAWDJoin, je spécifie son mot de passe, je spécifie l'OU. Que je viens de vous montrer. Je spécifie le nom de domaine en FQDN. Ici, c'est le login et le mot de passe local de la machine. Donc, vous savez, quand vous déployez des VM dans Azure, on vous demande de spécifier
un compte administrateur local avec le nom du compte et le mot de passe. Ce qui se passe en fait, c'est que le compte administrateur local est renommé avec ce que vous avez spécifié, c'est ce qui va se passer ici. Donc du coup, vous spécifiez ça et ça sera votre login et mot de passe administrateur local de votre machine. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire un start rollout. Alors pourquoi là c'est gris? Très bonne question. Je vais me mettre en ne pas déranger, sinon je vais avoir des notifications. Tac. Voilà. Alors, pourquoi je n'ai pas lancé l'installation? Parce que je n'ai pas choisi le type de disque. Donc là, après, vous choisissez le type de disque, donc standard, premium, éphémère, enfin voilà, en fonction de vos besoins. Donc moi, je vais choisir celui-là. Et là, je peux faire un start rollout. Et donc, il va me déployer à partir de cette image un nouveau nœud. Donc là, si je regarde les logs, on voit ce qui se passe. Donc là, il est en train de créer une VM depuis l'image, il est en train de construire la VM. Et ce qui est vachement bien, ce qui est vraiment très intéressant avec cet outil-là, en faisant l'image de cette façon-là, c'est qu'en 5 minutes, vous avez une nouvelle VM qui est disponible dans votre spool. Donc c'est très rapide de provisionner une nouvelle machine en cas de forte demande pour gérer la forte demande, le pic de demande de Windows Virtual Desktop. Après, si vous avez besoin de supprimer les machines, pour le moment, il n'y a pas d'outil automatisé qui va permettre de provisionner les machines, de les supprimer en fonction de la demande. Tout ce que je peux faire actuellement, je vais vous montrer après via Logicap, c'est d'éteindre et d'allumer les serveurs en fonction de la pique de demande. Donc actuellement, il n'y a que ça, mais je ne peux pas ajouter un serveur et le supprimer en fonction de la demande. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, ça permet de provisionner rapidement de nouveaux serveurs. Et après, ben, vous utilisez Logicap pour éteindre et allumer les serveurs automatiquement. Donc, je vais vous parler d'automatisation en attendant et on reviendra après sur l'interface pour que je vous montre que ça a bien provisionné le nœud et que ça fonctionne. Donc, je retourne en arrière et maintenant, je vais vous parler d'automatisation. Donc, Microsoft fournit on va dire des scripts pour déployer Logicap et pour faire toute la configuration du compte d'automatisation pour gérer cette extinction et cet allumage de serveur en fonction de la demande de l'utilisateur. Donc, de quoi vous avez besoin? Il va y avoir besoin d'un compte d'automatisation, de log analytique, un workspace log analytique, et on va créer une Logicap via un script pour gérer tout ça. Donc, si vous n'avez rien encore, vous pouvez vous appuyer sur les scripts de cette documentation-là, qui est dans la doc de Windows Virtual Desktop, et qui permet de créer le compte d'automatisation. Avec la création du compte d'automatisation, ça va créer le runbook qui va permettre d'éteindre, d'allumer les VM automatiquement, et surtout, ça va créer le webhook pour que la Logicap puisse interagir avec le runbook. Donc, on utilise ce petit script qui est disponible sur GitHub ici, vous le téléchargez, vous le lancez et ça permet de tout faire automatiquement. Une fois que c'est fait, vous avez votre compte d'automatisation. Il faut créer un compte Runas account qui devra être en gros admin du tenant Windows Virtual Desktop. Donc ils expliquent comment on fait pour le rajouter admin dans le tenant Windows Virtual Desktop. Donc c'est bien ces petites commandes ici. Et enfin, vous lancez ce petit script ici, qui est fourni via GitHub aussi, et qui permet de créer la Logicap et de configurer donc la Logicap qui va envoyer les ordres au runbook. Donc, ça c'est si vous n'avez rien. Si vous avez déjà un compte d'automatisation comme moi, donc c'est ce que je l'ai fait hier en fait, ce truc-là. Donc si vous avez un compte d'automatisation comme moi, ben, vous pouvez utiliser le même script, mais dans les paramètres du script qui est là, ici, vous spécifiez le nom du compte d'automatisation que vous avez. Voilà. Ici, bah, vous mettez le nom du compte d'automatisation que vous avez déjà. Et pareil pour le workspace log analytique, vous mettez celui qui existe déjà. Donc, ça ne va pas recréer un compte d'automatisation, ça va simplement rajouter le runbook et le webhook pour que la Logicap puisse se connecter au runbook.
Donc, comment ça se présente en vrai? Donc, je vais dans mon compte d'automatisation, qui est là. Et donc, ce petit script-là m'a créé ce runbook-là, qui s'appelle WVD Autoscale Runbook. Donc, vous voyez, d'ailleurs, le runbook s'exécute régulièrement. Donc, j'ai configuré la logic cap pour qu'elle se lance toutes les 15 minutes. Donc, toutes les 15 minutes, on va évaluer s'il y a besoin d'éteindre ou d'allumer des serveurs. Si on fait view ici, bah, il y a un script qui a été écrit par Microsoft, hein, c'est pas moi qui l'ai fait celui-là, qui gère justement cette extinction et cet allumage de serveurs en fonction des pics, des heures en fait, des heures ouvrées et des heures non ouvrées. Il y a aussi un petit paramètre qui est pratique parce qu'on peut laisser des serveurs allumés en heure non ouvrée. Si par exemple il y a des personnes qui ont besoin de faire l'application, démarrer des applications ou des bureaux à distance en heure non ouvrée, on peut laisser un serveur allumé en heure non ouvrée pour que les utilisateurs puissent se connecter. Donc voilà, ça a importé ce petit script-là qui est fourni par Microsoft. Donc je vais passer le détail. Hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez le lire, hein, il est libre ici. Et donc, une fois que ce script-là a été importé, ça a aussi créé ce webhooks. Donc, un webhook, en gros, c'est une URL qui permet d'interagir avec le runbook que je viens de vous montrer avec des API via une requête HTTPS. Et donc, Logic App va s'appuyer sur ce webhook pour envoyer les ordres au runbook avec des API. Donc, ça a bien créé le webhook ici. Et à la création, il y a une URI, il faut le garder parce qu'il faut le spécifier dans le script un peu plus tard. Une fois que ça c'est fait, que vous avez créé votre runbook et que vous avez votre compte d'automatisation qui fonctionne, il faut aussi regarder le compte Renaz. Et donc les comptes Renaz se situent dans Renaz Accounts ici. Et donc j'avais déjà des comptes qui étaient créés. Et donc ici, ben, vous avez les IDs, notamment l'application ID qui devra servir un peu plus tard pour identifier ce compte. Ce compte-là doit être ajouté dans le tenant Windows Virtual Desktop, ben, pour avoir les autorisations de lire notamment les sondes et pouvoir allumer et éteindre les VM. Donc c'est ce qui est fait en fait dans la partie ici, Create Role Assignment in Windows Virtual Desktop. Donc ici en gros, ben, il va falloir spécifier l'application ID ici du compte, là, du Renaz Account, pour qu'il ait les autorisations dans Windows Virtual Desktop. Donc c'est ce qui est fait ici via cette ligne. Dernière étape, la partie Logicap. Donc là, vous téléchargez ce petit script. Et donc, je vais vous montrer en vrai à quoi ça ressemble après le script. Le voilà. Donc, il y a pas mal de paramètres. Donc, premier paramètre, le nom du ressource group où la Logicap sera créée. Le tenant ID, donc l'ID du tenant Azure AD. L'ID de la subscription Azure, le nom du tenant Windows Virtual Desktop. Lorsque vous avez créé votre ferme Windows Virtual Desktop, vous avez dû spécifier un nom de tenant, bah, c'est celui-ci. Le nom du host pool qui va être concerné par l'allumage et l'arrêt des machines automatiques. À quel intervalle on va vérifier s'il y a besoin d'arrêter ou démarrer des machines. Quand est-ce qu'on fait ces vérifications? Donc, quand est-ce qu'on. En gros, quelles sont les heures ouvrées ici? Donc, bah, ça commence à 9h, ça termine à 18h. Quelle est l'heure en format UTC? Donc, Paris, c'est UTC plus 2. Donc, j'ai mis plus 2. Ici, vous spécifiez le nombre de sessions max par CPU que vous souhaitez sur vos machines. Donc, là, par exemple, j'ai mis 8. Si j'ai une machine 4 vCPU pour mon Windows 10 multisession, ça veut dire que j'autorise 32 utilisateurs avant de redéployer une nouvelle, enfin, avant de redémarrer une nouvelle machine RemoteApp. Le nombre minimum de serveurs RDS qui doivent être démarrés, donc là par exemple, c'est dans le cas des heures non ouvrées, ben, si je laisse 1, quoi qu'il arrive, ben, il va laisser un serveur allumé. Évidemment, quand on va arrêter un serveur, ce qui va se passer, ben, c'est un peu brutal, c'est que ça va déloguer l'utilisateur, et donc là on spécifie un temps avant de faire un logoff sur l'utilisateur. En secondes. Donc là, en gros, ben, l'utilisateur a 500 secondes avant d'être éjecté du serveur et en affichant évidemment le message qui est ci-dessous. Attention, vous êtes bientôt déconnecté, veuillez sauvegarder votre travail. Ici. Donc vous pouvez mettre un temps plus long hein, si vous le souhaitez pour forcer. Attention, zéro, c'est pas infini.
Zéro, c'est on ferme immédiatement sans prévenir l'utilisateur. Ici, on spécifie l'emplacement géographique du data center Microsoft. On spécifie le nom du compte Renaz de Azure Automation. Tout à l'heure, je vous ai parlé de webhook pour le runbook. Et bien ici, je spécifie l'URI du webhook. Désolé pour mon accent. Ici, je spécifie le nom du compte Azure Automation. Et enfin, s'il y a des machines qui ne doivent pas être gérées par cette logique app, vous pouvez mettre un tag, ici par exemple Do Not Scale, sur la VM. Et donc, elle ne sera pas concernée par l'allumage et l'extinction des machines. Donc, comment ça? On fait un tag, hein, en gros. Je vais sur ma VM. Pardon, pas bon endroit. Je vais sur ma VM ici. Et là, ben, je peux ajouter des tags. Donc là, je fais change ici. Et je rajoute un tag pour la maintenance. Une fois qu'on a tous ces paramètres, ben, j'ai suivi la doc de Microsoft. Et j'ai lancé donc le script que j'ai téléchargé depuis leur GitHub avec tous les paramètres. Et donc ça m'a créé la logic app. Donc maintenant, si je vais voir dans le ressource group où j'ai créé la logic app, qui est là, celle-ci. Donc là, je vois logic app designer. Donc on voit la récurrence avec tous les paramètres. Donc la récurrence de 15 minutes, le paramètre que j'ai mis. Et on voit tous les paramètres qui vont être passés en mode API vers le runbook. Et donc tous les paramètres que j'ai spécifiés ici, ben, ils sont directement intégrés là. Donc si vous avez besoin de changer, par exemple, les heures ouvrées, ben, vous pouvez le faire. Vous pouvez changer tous les paramètres sans devoir retoucher au script qui est dans Azure Automation. Et donc du coup, vous voyez ici, il y a l'URI du webhook du runbook du compte d'automatisation. Et donc, ces informations-là seront passées en mode API sur le runbook dans le compte d'automatisation Azure. Et donc, ça va être lancé toutes les 15 minutes. Et donc, toutes les 15 minutes, ça va arrêter ou redémarrer les machines. Donc là, vous pouvez voir que ben, là, ça s'est encore exécuté à 8h41 pour voir si besoin d'arrêter les machines. On va revenir sur l'interface pour voir si l'image s'est bien déployée, parce que c'est la dernière chose qui manquait. Donc là, je vais faire un refresh, on va tout recharger, parce que ce n'est pas un rafraîchissement automatique de l'interface. Et donc là, on voit session host, il y en a bien un troisième qui s'est rajouté. D'ailleurs, vous pouvez voir quelque chose aussi en relation avec le Logicap que je vous ai montré avant. Tout à l'heure, cette machine a été démarrée. Maintenant, elle a arrêté parce qu'il n'y avait pas assez de sessions utilisateurs. Et donc, du coup, il a décidé d'arrêter automatiquement une machine pour économiser sur la facture via le Logicap. Et donc, dans 15 minutes, quand il va se relancer, j'imagine qu'il y a un autre serveur qui va s'arrêter. Donc là, on voit bien que le RemoteTap a été ajouté au host pool. On va voir qu'il a bien été ajouté à l'AD aussi. Donc, je vais faire un refresh sur l'OU. Voilà, RemoteTap 3. Et donc, du coup, maintenant, il est prêt à desservir des utilisateurs. Donc, on va essayer d'arrêter une machine via le Logicap. On va le lancer maintenant. Et normalement, il va procéder à l'extinction d'une autre machine. Donc, vous voyez, l'interface qui est là, elle est vraiment pratique pour déployer très rapidement des images. Donc, on voit en combien de temps ça a installé, enfin, ça a déployé la machine, peut-être. Ici. Donc, j'ai lancé l'installation à 20h36. En gros, à 20h42, c'est terminé. Donc là, en 6 minutes, on a ajouté une nouvelle machine. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que ben, vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai fait ajouter des nouveaux nœuds dans le host pool, j'avais un compteur. Donc là, je pourrais mettre par exemple 5 et ça va déployer 5 machines à la volée ici. Donc ce qui compte en fait quand vous faites un déploiement de Windows Virtual Desktop, bah, c'est de bien préparer votre image au départ. Et ensuite déployer votre firmware à partir de cette image-là parce que vous allez gagner un temps fou, quoi. Et après, bah, si vous ajoutez des applications, bah, vous mettez le nom de maintenance, vous le supprimez, vous le redéployez. Et ça permet de maintenir à jour, comme vous le souhaitez, votre firmware Windows Virtual Desktop.
Est-ce que FS Logic a s'est terminé? Donc là, normalement, j'ai une machine qui aurait dû s'éteindre. On va voir. C'est un remote, pardon. Ça va être en cours. On va aller voir en vrai. Bon, ça a été fait démo, ça n'a pas fonctionné. Peut-être qu'il n'a pas terminé son job aussi. Non, il n'a pas terminé. En fait, je me rends compte qu'il n'y en a aucun qui sont terminés, c'est bien. Alors, je vais aller voir dans le compte d'automatisation directement. S'il a terminé à 8h49, normalement, est-ce que j'ai un retour? Ben voilà, il a arrêté la remote 01 à 8h49. Donc vous voyez les logs ici hein, de ce qui se passe. Donc il dit qu'on est en heure non ouvrée. Il y a zéro session dessus. Là, il est en train de se mettre à jour, donc il ne va pas l'arrêter parce qu'elle n'est pas fini d'être déployée, je pense. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Voilà ce que je voulais vous montrer ce soir. Donc je pense avoir fait un petit tour d'horizon en termes de sécurité et de déploiement, de ce qui se fait bien sur Windows Virtual Desktop. Donc, en gros, on a fait le tour sur la partie MFA, on a fait le tour sur la partie déploiement d'images, la gestion de l'interface graphique et l'automatisation. En tout cas, restez branchés sur Windows Virtual Desktop parce que cette année, il devrait y avoir pas mal de nouveautés dont je ne peux pas encore parler, qui devraient sortir et qui vont être sympas et qui vont simplifier la vie de l'administrateur. On devrait avoir quelques nouveautés qui devraient sortir peut-être en juin et peut-être en novembre, qui ont dû sortir avec Ignite notamment. Et il y a pas mal de choses qui vont être très intéressantes. Moi, de mon point de vue, Windows Virtual Desktop, c'est un très bon remplaçant en RDS. Je vois même plus trop d'intérêt de déployer du RDS aujourd'hui, parce qu'on a quand même pas mal d'avantages sur Windows Virtual Desktop, hein, comme on l'a vu, le MFA. De l'automatisation qui est compliqué à mettre en on-premise, des choses comme ça. Donc je trouve que c'est vraiment vraiment intéressant de ce point de vue-là. Et enfin moi de mon côté, je commence à avoir un vrai engouement sur Windows Virtual Desktop chez les clients et je pense que c'est justifié parce qu'ils ont bien bossé sur leur produit. Après évidemment il y a quelques bémols. Il y a quelques bémols, notamment la partie interface graphique. Hein, actuellement, c'est pas terminé ou la gestion via utilisateur et pas gestion via des groupes. Donc ça, c'est un peu dommage, mais ça devrait être corrigé rapidement. Honnêtement, moi, j'ai pu avoir accès à une roadmap et il y a beaucoup de choses qui sont sympas qui devraient arriver avant au moins un an si c'est pas impacté par les problématiques de coronavirus. Donc en tout cas, restez branchés sur la solution, si elle vous intéresse, parce que honnêtement, je pense qu'il y aura des belles choses qui vont arriver. Voilà, moi, j'ai pas d'autres choses à rajouter. Donc, pour répondre à René, la vidéo, enfin, le live va être enregistré. Je vais le publier sur YouTube, évidemment, plus tard, hein, peut-être demain, et vous pourrez avoir accès au replay pour voir un petit peu plus, enfin, pour faire des post-start. Et pour ceux qui n'ont pas pu assister à la session, bah, ils pourront accéder à la session. Ben, j'espère que ça vous a plu. Si ce nouveau format avec questions-réponses au lieu du chat habituel vous plaît pas, dites-le moi. Que je passe à, enfin que je repasse à un mode traditionnel. J'aimerais pour les prochains événements que ce soit un peu plus dynamique. Donc je vais essayer. Enfin, je commence à travailler sur, on va dire le streaming. Je suis pas très bon encore là-dessus pour incruster directement. La caméra dans les captures de bureau que je fais pour vous faire les démos. Et je vais essayer de progresser là-dessus pour que ce soit un peu plus interactif. Voilà, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je peux rester encore connecté 3-4 minutes.
Et puis si vous n'en avez pas, je vais mettre fin au live. Voilà. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, je vais couper. Bah, merci à tous et à bientôt.